Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen. Sarajevo a été assiégé pendant 3 ans par l'armée serbe. Entre 1992 et 1995, 11 000 personnes furent tuées. Les snipers embusqués empêchaient tout passage dans la ville. Pourtant, pour supporter le quotidien, les Sarajeviens décidèrent de résister par les armes, mais aussi par le théâtre, les concerts et les expositions. La culture résistante pendant le siège, c'est l'objet de notre étape à Sarajevo. À Sarajevo, Jovan Divjak est un héros. Et comme tous les héros, c'est un personnage populaire. Ici, tout le monde l'appelle général. Jovan Divjak commandait à la défense de la ville contre l'armée serbe. Lui-même est serbe d'origine, mais se définit comme citoyen bosnien. Allez. C'est souvent que les femmes vous offrent des fleurs, général ? Oui, c'était au temps de la guerre. Il y avait l'histoire qu'on a dit c'est... officier de fleurs, de la rose. C'est officier de la rose. Voilà, on a dit souvent que j'ai un gentleman. Voilà. Aujourd'hui, Jovan Divjak dirige une association qui aide les enfants victimes de la guerre. Il consacre tout son temps à la promotion de cette ONG qui a fait de l'éducation le pilier de la paix en Bosnie-Herzégovine. Et puis je peux vous chanter les chansons bosniennes, d'accord ? D'accord. Il y avait un criminel de guerre qui s'appelle, Vlatko Vlahović, qui a torturé les citoyens du quartier Grbavica, ça c'est Vraca Grbavica, et il est accusé à 45 ans de prison il y a quelques mois. Il a violé, il a tué, il a fait des massacres et il a même tué la droite. Même il a tué les Serbes qui a protégé les Bosniens qui vivaient ici. Et avant la guerre, c'était quartier mélangé, les Bosniens, les Croates, on peut dire les Serbes. Aujourd'hui, c'est presque ethniquement pur, c'est-à-dire la majorité bosniaque. Jovan nous emmène dans l'ancien cimetière juif de Sarajevo, une position que l'armée serbe occupait pendant le siège de la ville. Entre 1992 et 1995, le général Divjak était souvent en première ligne, aux côtés de ses hommes. Ici, c'était la ligne de confrontation. À côté, vers l'ouest, c'était position de l'armée serbe, d'où on est venu. Et avec l'est, c'était position de l'armée bosnienne. La ligne de confrontation, c'était de 7 bâtiments en bas. Et puis parmi les bâtiments, c'était position d'un côté de l'armée serbe, de l'autre côté de l'armée bosnienne. Ces bâtiments avec les toits bleus, un parti était contrôlé par l'armée bosnienne, de l'autre côté de l'armée serbe. Et puis il y a un bon échange entre les soldats. Les bosniens avaient des cigarettes, on n'avait pas la nourriture. Et de l'autre côté, l'armée serbe avait de la viande, de l'alimentation. Et on a changé ça. Tout ça a été détruit. Le mur a été détruit pendant la guerre. Il y avait un tranché ici, par là. Dans cette chapelle quand je suis venu, j'ai couru. Non, il faut se garder. On a craigné que des snipers de partout puissent tuer. On pouvait entrer là dans la chapelle pendant la nuit, pendant par la journée. La résistance militaire était essentielle. Mais Jovan s'est efforcé d'organiser une autre résistance par le théâtre, la musique et les expositions d'œuvres d'art. Dès qu'il le pouvait, il assistait aux représentations et aux concerts pour galvaniser le public sarajevien. Quand je parle de théâtre, quand je me souviens de la guerre, la pièce de théâtre qui s'appelle L'Abri, aujourd'hui,
ce n'est pas tellement touchant quand on tombe dans la guerre. Quelle est la raison? Les jours quand j'assistais dans cette présentation, la première c'était septembre 92, la pièce était liée de la situation autour de nous. Dans la rue, on a entendu le bombardement, les mitrailleuses, les roquettes. Et dans l'abri, on se trouve comme... c'est la guerre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a paix, qu'on se trouve dans les chaises, qu'on regarde comme ça. Les émotions de la guerre, de même article, de même pièce, ne sont pas comme, comme au temps de la paix. C'était un des concerts, c'était janvier 93, c'est le concert de nouvelle année. Et dans la salle où il était très très froid, on était dans les manteaux, tout ça. Voilà, c'était une émotion. On a suivi la musique plus qu'aujourd'hui. On a vécu avec la musique, avec une mélodie qui est triste, on est devenu triste. Mais aujourd'hui, on regarde, on se souvient, c'est Bizet. C'est une grande différence entre émotion au temps de la guerre et aujourd'hui. Grâce à l'art, Sarajevo sous les bombes tentait malgré tout de rester une ville ouverte. En 1992, deux mois après le début de la guerre, un groupe de comédiens décidait de créer un théâtre unique, le Théâtre de la guerre. Le Sartre existe toujours. Il a gardé le même nom en temps de paix. Sa programmation est volontairement engagée. La scène est ouverte aux enfants et aux personnes en situation de handicap. Nijad Krechevjakovic dirige le Théâtre de la guerre. Il avait 18 ans à l'époque du siège. Son père était maire de Sarajevo. C'est lui qui signa les statuts fondateurs de cette nouvelle scène de combat. Dans ce document, le Théâtre de la guerre de Sarajevo fut créé en tant qu'institution publique. Et il a été fondé en tant qu'institution publique justement parce que la fonction de ce théâtre était la défense de la cité. J'aime cette manière de voir les choses, défendre la cité, défendre le mode de vie de ses habitants, défendre la qualité de la vie. C'est une part de notre devoir qu'on vive en temps de guerre comme en temps de paix. Is it something which is our duty in conditions of war and in conditions of peace? It makes this theater unique in some way because c'est ce qui rend ce théâtre unique. Je sais qu'en Europe, c'est le seul théâtre à avoir été créé dans de telles conditions pendant la guerre et durant un siège. En fin de compte, c'est le résultat d'une nécessité humaine de protéger sa propre identité. Je veux dire que l'art et la culture sont des nécessités au même titre que l'eau ou la nourriture. Pendant le siège de Sarajevo, nous avions des milliers d'expositions photos, beaucoup d'expositions différentes. Nous avions deux festivals de films. Je sais que 2000 représentations ont été données dans les théâtres ou dans d'autres lieux. Quand on parle de cela, on doit savoir que quand des personnes décidaient d'aller au théâtre ou de se rendre à une projection de cinéma ou à une exposition, eh bien ces personnes prenaient le risque d'être tuées dans la rue du théâtre ou ailleurs. Mais je sais que toutes les pièces de théâtre auxquelles je me suis rendu pendant la guerre étaient toujours pleines, à chaque fois. Même en travaillant pour un festival de théâtre, 20 ans après, et même en continuant à travailler dans le théâtre et en assistant à des performances incroyables à travers le monde entier, j'ai toujours rien vu d'aussi excitant et d'aussi intense que ce que j'ai vu durant la guerre dans ces performances théâtrales. Avec 4 théâtres et une trentaine d'espaces d'exposition, Sarajevo est une capitale culturelle importante. Mais plusieurs musées de la ville connaissent des difficultés ou sont aujourd'hui fermés au public. Faute de moyens et de volonté politique, la capitale bosnienne risque de perdre l'âme de sa résistance.